Shout out again to all those people who hate my guts, but is sitting in a quiet place listening to my show. You are obsessed and sick, okay? Okay, I'll be right back. Let's get into it. Salut mes chéries, c'est les 21 à la case. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. A certain type of look. If she don't look how I want her to look physically, I don't want her to come. Because the look of everything is so important to me. Like, if she ain't thick enough, nope. Her idea good enough, nope. Can't dress, nope. skinny, nope. And it's like, I don't feel like I'm discriminating. I just want a certain type of look. She could be the sweetest girl I ever met in my life. But if she don't look the part, I don't want her to come. Like, that's just not the vibe I'm on. Now, she can come. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que c'est un truc qui a été beaucoup parlé récemment, il y a deux ou une semaine. Une rappeuse américaine qui s'appelle Erica Banks. Erica Banks a posté sur TikTok, non, c'était sur sa story Instagram, où elle disait que, ouais, moi, quand je vais aller en boîte de nuit, je vais être accompagnée par des meufs qui ont un corps, tu vois, bien fait, bien chargé, bien BBL. Pour ceux qui savent c'est quoi BBL, voilà. Et moi, je me suis dit, mais quel culot, la meuf n'est pas magnifique. Même si elle était magnifique, le culot. En mode, genre, tes amis, elles doivent être tous magnifiques. Je comprends que tu veux avoir un groupe d'amis présentable. Mais je suis désolée, à son âge, parce qu'elle est dans ses vingtaines, donc à tes 20 ans, tu peux avoir des amis. Mais tu peux pas avoir un groupe d'amis. En mode, moi, je trouve ça enfantin. Je trouve ça inutile en fait d'avoir un groupe d'amis à cet âge-là. Moi je trouve qu'après la fac, avoir un groupe d'amis, waouh, chapeau, tu es très hypocrite. Parce que je suis désolée. Quand t'es en primaire, t'as un groupe d'amis. T'es au collège, t'as un peu un groupe d'amis. Maintenant, tu vas au lycée, vous-même vous vous séparez. Maintenant au lycée, tu trouves d'autres personnes qui font en sorte qu'ils changent ta perception de la vie, comment tu vois les choses, qu'est-ce que t'aimes, tes goûts. Et en plus, t'es un adolescent ou t'es une adolescente, donc tu commences à créer ta propre personne avant de rentrer dans la vie d'adulte. Et puis tu vas à la fac, tu dois avoir entre tes 10, attends, peut-être 19, 20, et là t'as 20, t'as 21 ans, on ne dit pas que t'es super mature, mais là t'es une adulte. Mais je suis désolée, à la fac encore, tu vas pas reprendre les amis que t'as vus au lycée, mais peut-être t'as gardé contact avec, et qui veut dire normalement tu dois avoir un cercle restreint. Je suis désolée, quand t'as 20 ans, genre quand t'as 21 ans, je suis désolée, un groupe restreint. Et masse, maximum 5 personnes. Et en plus, dans les 5 personnes, vous êtes pas du même groupe. Parce que je suis désolée. Comment tu veux avoir une conversation concrète avec un groupe? Avec un groupe, vous pouvez faire quoi? Critiquer et débattre. Mais parler de réelles choses. Est-ce que tu as envie de parler tes problèmes de famille? Il y a 3 personnes devant toi. Non, je suis désolée. C'est pas évident. Comment tu parles des projets de ta vie avec un groupe d'amis? Un groupe d'amis, c'est pour être distrait, pour voilà. Revenons à le sujet de Erica Banks. Je sais que ça n'a pas été beaucoup parlé en France parce que c'est un truc anglais et tout américain, et moi je suis beaucoup dans ça et j'ai envie d'en parler avec vous parce que moi je vais pas vous mentir, des fois quand toutes mes amies, je vais pas dire que toutes mes amies sont belles, mais je les trouve belles, et l'une de mes meilleures copines à Londres, dès que je l'ai vue, la plupart des amis que j'ai vu au début, ma première impression c'était en mode, oh elle est belle. Et tellement que je trouvais belle ma copine, je voulais être sa pote. Je voulais être sa copine. Ça c'est normal. Mais des fois, quand toi-même aussi, quand t'es une jolie fille, il y a des gens qui voulaient être. Et on voulait être amis avec toi par jalousie. Et ils voulaient être en compétition avec toi et être meilleur que toi parce qu'ils voient un truc en toi et qu'ils veulent te dépasser. Moi j'ai jamais été à ce stade-là. Je voulais juste avoir une amie belle pour dire, ouais, regarde, j'ai une amie belle. Ça, c'est quand j'étais vraiment, 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 vraiment immature. Je dis pas que je suis mature, mais je suis mature à 70%. C'est beaucoup quand même. Mais toi, t'es une rappeuse. T'as un taf de malade. Faut avoir le mental. Et toi, ton mental, c'est d'avoir un groupe d'amis qui ont un beau corps. Ça a aucun sens. Dans une amitié, t'as besoin d'une personne qui va te comprendre.
mentalement, qui va être là pour toi, qui va être là pour toi pendant les hauts et les bas. Tu vas avoir une amie juste pour montrer que dans votre groupe, vous êtes jolie. Genre, mais c'est quoi ça? Parce que si toi, tu as cette mentalité que, par exemple, toi, tu veux faire la meuf, ouais, je suis grave belle, frontale, en flic, nanana. Comment moi, je te dis, ça sert à rien de vouloir avoir une pote qui va te ressembler exactement. Parce qu'à la fin, vous allez finir par être en compétition. Mais tu dois quand même avoir une amie qui a des choses similaires à toi. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais si tu veux avoir une amie juste pour l'image, mais ne t'étonne pas qu'on te trahisse. Ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à avancer. Ne t'étonne pas que tu fais les mauvaises décisions parce que toi, tu es que dans le superficiel. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le maquillage et tout, nanana. Et j'aime bien quand une fille, elle s'apprête. J'attends pas que la fille se maquille exactement comme moi et tout. Ou que, par exemple, moi j'ai commencé à mettre des perruques quand j'avais 18, 19 ans. Et j'ai une copine, elle a commencé à mettre ses perruques quand elle avait 22 ans. Est-ce que je l'ai dépêchée? Je disais, ouais, t'attends quoi? Mais j'ai pas mis la pression contre toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et j'avais pas honte d'être avec elle. Par exemple, j'ai une amie aussi. Des fois, je lui dis, apprête-toi, c'est pour ton bien. Quand je dis apprêter, c'est d'avoir une bonne coiffure, ton visage il est bien et t'es bien habillé pour que les personnes te prennent au sérieux et qui te respectent. Parce qu'on voit une personne élégante, vous la traitez d'une façon différente comparée à une personne qui n'est pas bien apprêtée, on va pas se mentir. Mais de parler du corps, attends, toi t'es une rappeuse, t'as beaucoup d'influence sur beaucoup de personnes, surtout sur les réseaux, les petites filles. Et toi, tu vas dire que tu vas mettre la pression à ces gens-là en disant, ouais, si tu veux traîner avec moi, il faut que tu aies un beau corps, nanana. Je vous jure que des fois, on s'en rend pas compte, mais on peut être juste ébloui parce que la personne est populaire. Quand tu étais au lycée ou au collège, ou en primaire, fin primaire, et que tu vois qu'une personne est populaire, tu dis, oh mon Dieu, elle a quelque chose de spécial alors que la personne n'a rien, elle a juste beaucoup de connaissances, elle connaît beaucoup de monde, c'est tout, et tout le monde la connaît. Mais des fois, quand la personne elle est connue, tu la vois, tu la mets dans un piédestal et tu t'imagines les petites filles qui voient Erykah Banks, qui disent, oh mais si je veux traîner avec elle et que je veux traîner avec quelqu'un populaire juste pour être vue, parce que des fois il y a des gens, ils vivent dans la mala, et tellement ils vivent dans la mala, ils veulent écouter des conseils des meufs comme ça. C'est pour ça, moi, je vous conseille d'arrêter les mentalités d'avoir un groupe d'amis juste pour être accepté dans des endroits qui sont temporaires, qui vont pas t'aider dans la longue durée. Parce que si tu veux aller à un entretien d'embauche, tu veux avancer dans la vie, tu veux passer ton permis, tu veux faire ça, est-ce que tu as besoin d'un groupe d'amis? Je pense pas, parce que ton groupe d'amis ne vont pas cotiser pour tes économies. Ok? Donc, quand toi, là, tu arrives à tes 21 ans, c'est le maximum âge. Faut pas avoir de groupe d'amis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Erykah Banks, c'est une rappeuse. En tant que rappeuse, tu as quel temps de penser à un groupe d'amis pour venir avec toi? Le seul groupe d'amis que tu dois penser pour aller en boîte de nuit, c'est les danseuses pour que tu ailles performer. Je suis vraiment déçue, sincèrement, des fois. Parce que on est dans une génération où tout le monde maintenant vit dans le superficiel, où tout sur la technologie, il n'y a pas de souci. C'est un bénéfice pour beaucoup de personnes comme moi qui veulent se lancer sur YouTube, sur les réseaux. Mais il y a des gens qui sont tellement superficiels et quand ils donnent leur avis, ils peuvent affecter la mentalité des jeunes filles. Parce qu'il y a des jeunes filles, je vous jure, il y a des gens, ils vivent dans la mala. Il y a des gens, ils vivent dans la mala. Vous savez pas à quel point c'est triste. Genre, tu vois, tu te réveilles, tu penses à qu'est-ce que les gens ils vont penser de toi. Il y a des gens, ils se réveillent, ils pensent à comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont payer leur bourse, comment ils vont payer leur truc. Parce que si toi, tu vis pour impressionner les gens-là, tu vas jamais te reposer. C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que arrêtez de faire la malin. Parce que ça, c'est un exemple de faire la malin. Au lieu d'avoir une amie que tu sais que si aujourd'hui tu te sens mal, on va dire en boîte de nuit, tu sais que tu peux compter sur elle. Elle va t'accompagner jusqu'à chez toi, prendre son propre argent pour prendre son Uber pour rentrer chez elle en sachant que tu es bien rentré. Mais non, tu vas avoir des amis superficiels pour
impressionner les mecs qui vont en boîte. La même façon que les mecs là, ils jugent les meufs qui vont en boîte. Eux-mêmes, ils sont pareils, ils sont pas mieux. Moi, si j'ai cette conversation, c'est pour faire comprendre que la mala, ça sert à rien. L'image, faut juste avoir une bonne image quand tu es bien apprêté, quand tu sais que tu fais les choses bien. Tu n'es pas parfaite. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Même qui parle, même des fois, j'ai fait des choses que je ne dois pas faire. Par exemple, quand on me critiquait, ça, c'est mon défaut. Moi, je critique. Et puis, quand on me critique, je dis, ah, moi aussi, je critique. Donc, personne n'est mieux. Personne n'est mieux que qui que ce soit. Mais avoir une mentalité de malin et penser qu'au superficiel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens comme Erika, là, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Parce que je sais que des fois, il y a des gens, ils vont traduire les trucs qui font du buzz en Amérique. Et moi, je veux parler de ça parce que je me suis dit, mais comment une rappeuse qui doit faire en sorte qu'elle soit toujours apprêtée, qu'elle soit en flic, qui doit écrire des sons, qui doit aller au studio, qui doit faire tout, qui doit faire des interviews, qui doit s'entraîner et tout. Et toi, quand tu vas en boîte, toi, tu dois même pas penser à aller en boîte. Tu dois penser à faire une promotion de ton image à toi. Mais toi, tu penses à avoir des amis. Parce qu'elle a dit, il faut que j'ai des amis qui soient bien apprêtés quand elles vont en boîte. Mais les amis, après, elle a essayé de se justifier en disant que j'ai eu des meufs skinny dans mon vidéoclip. Ah, parce que là, on t'a fait comprendre que ce que tu as dit n'est pas normal. S'il te plaît, n'ayez pas cette mentalité-là. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que c'est vraiment con. C'est vraiment con. Et c'est la même personne qui est partie faire chirurgie. Fais chirurgie, il n'y a pas de souci, c'est ton corps. Hein. C'est toi qui as mal qu'on te coupe des... Moi, j'aimerais faire la chirurgie, peut-être, mais je n'ai pas le courage et ce n'est pas une envie extrême que j'ai. Moi, l'envie extrême que j'ai, c'est de pouvoir dormir dans mon lit et savoir que je fais de l'argent en dormant. Ça là, hi, hey. C'est ça mon rêve. Mais mon rêve d'avoir un groupe d'amis, parce qu'on est tous des bad bitch. Et puis les gens, même ils vont me prendre même plus en sérieux parce qu'ils me disent, ah, vous êtes tous des poupées. Genre. Parce que par exemple, moi, maman et ma pote, on a un duo. Elle est skinny. Elle a sa façon d'être. Elle a son style à elle. Moi, j'ai mon style à elle. On arrive à nous distinguer. Maintenant, si vous êtes tous un groupe là, on va retenir le prénom de qui? Et puis on va retenir le prénom que de. Deux personnes, alors que dans le groupe, vous êtes six. Après, ça a commencé à faire la rivalité, la jalousie, nanana. Après, on va dire, oui, les filles sont hypocrites. Les filles qui sont hypocrites, là, on sait pourquoi. Parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas confiance en elles. Mais ça ne veut pas dire toutes les femmes. Et c'est pareil pour les garçons qui sont en groupe d'amis. Hein. Eux-mêmes, je ne les comprends pas. Parce que je ne sais pas si vos parents aussi ont un groupe d'amis. Parce qu'il faut me dire, hein, si vos parents ont des groupes d'amis, bah, ça fait bizarre quand même. Toi, en tant qu'adulte, jeune adulte, où tu as le temps d'avoir un groupe d'amis? Moi, c'est mon avis. Donc, si toi, tu aimes avoir un groupe d'amis où vous êtes 16, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est toi. Fais-toi. Mais moi, je parle en ma cause. Je parle de comment je vois la réalité des choses. C'est mon opinion. Donc, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Et si vous voulez encore des sujets comme ça, n'hésitez pas de commenter votre avis, ce que vous pensez et liker. Et abonne-toi si tu n'es pas abonné.